Les amis, le meilleur moyen pour vous d'attirer du trafic ou d'attirer la curiosité, susciter de l'attention de vos lecteurs, de vos followers sur les réseaux sociaux, c'est de créer des posts viraux. Et pour ce faire, rien d'autre que d'utiliser les mèmes. Donc, à moins que vous ne soyez, par exemple, expert dans votre domaine, que vous allez donner soit des anecdotes, soit des faits qui vont vraiment soit apporter un boost ou apporter un plus dans votre communauté, faire en sorte que vos posts, vos publications puissent démarquer des autres publications. Alors, sinon, si tel n'est pas le cas, alors utilisez simplement les mêmes. Et pour ce faire, je vous ai trouvé, je vous présente cet outil qui est appelé SpamMem. C'est un outil alimenté par l'intelligence artificielle. Par exemple, j'ai pris une niche de la perte de poids. Ici, j'ai juste entré dans mon mot-clé perte de poids pour femmes. Et vous pouvez voir que l'IA s'en charge de retrouver des publications, donc des images de mèmes qu'on retrouvait un peu la plupart des temps sur les réseaux. Ceci a été de nombreuses fois utilisé par les développeurs web où ils ont mis par exemple HTML, ils ont mis peut-être CSS, ils ont mis JavaScript ou PHP, Python, bref, en fonction de leur marché. Donc, ce que vous avez à faire en 2024 pour rendre vos posts viraux, c'est d'utiliser cet outil. Vous avez simplement entré votre prompt et ensuite customiser comme vous voulez. Vous voyez par exemple ici, j'ai mis l'aspect perte de poids. Vous voyez ici que on a ici facile de perdre du poids dans la publicité fitness. La publicité fitness vous dit que bon, voilà la porte pour perdre du poids facilement et vous êtes ici. Une fois que vous avez, en fait, vous êtes entré dans cette porte, donc vous avez été séduit par la publicité, alors vous avez acheté par exemple le produit de la perte de poids ou un programme. Et ici, il y a un an plus tard, vous êtes en train de pleurer votre argent et la publicité se cache un peu le visage. Donc, ça fait un peu rire, ça fait un peu rire. Et ce template, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Et il y a énormément, par exemple, ici, les régimes micro, c'est pour les licornes. Bon, on a ici, par exemple, 5 conseils pour perdre du poids que je ne suis jamais. Alors, vous pouvez, par exemple, utiliser ceci pour faire vos publications. Et bon, le prix, je pense, c'est gratuit, mais avec le filigrane. Si vous voulez retirer le filigrane, donc le mois c'est près de 10 $. Vous pouvez générer jusqu'à 5. Vous avez 100 crédits de même, donc vous pouvez entrer 100 prompts chaque mois. Il n'y a pas de filigrane. Vous avez le texte au même et vous avez aussi l'IA de même Sha Engine. Donc ici, on a texte au même, le modèle que j'ai utilisé. On a les templates d'IA de même. Vous pouvez donc créer votre template ou rechercher un template. Dans template tout même, vous pouvez uploader votre template ici. Par exemple, vous avez pris un même peut-être qui parlait du code ou je ne sais quel, vous uploader ici. L'outil va s'en charger de rechercher. Et vous pouvez simplement rechercher votre template parmi tous les templates qui sont déjà listés sur la plateforme. Donc c'est énorme. Vous pouvez choisir votre template par exemple comme ceci et vous générez avec l'intelligence artificielle. Il vous suffira ensuite d'entrer simplement votre prompt. Vous voyez qu'il y a énormément de templates dans tout ce qui est même et vous avez même Maker dont vous pouvez uploader votre même et vous customiser cela. Donc dans My Même, vous allez retrouver tous vos mêmes. Donc vous pouvez voir que j'ai c'est même par exemple ici, vous avez vos prompts, vous avez vos templates et tout. Donc, les amis, voilà un peu comment vous pouvez rendre vos posts viraux sur les réseaux sociaux. Voilà comment vous pouvez acquérir du trafic gratuit sur les réseaux sociaux en utilisant ces mêmes. Vous avez la possibilité de les personnaliser, éditer et vous pouvez également signer. Donc, si j'ajoute par exemple ici, mon site internet Growth Business, par exemple, growthbusiness.com. Donc, vous voyez là que je peux changer, par exemple, la police. Bon, je laisse, par exemple, ceci. Je peux mettre également peut-être 45. Vous voyez que ça s'agrandit ici et je peux également changer la couleur.
Dans la bordure, je peux mettre par exemple comme ceci et le texte. Ou je peux faire comme ceci et la bordure, je mets en... Bon, la bordure. Donc voilà un peu ça, vous pouvez faire comme ceci. Ensuite, vous téléchargez simplement votre mème. Vous allez enregistrer sur votre ordinateur. Et voilà.